Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue en ce vendredi 12 avril 2024 dans le midi 10. On fait un point actu des Girondins à mi-journée. J'espère que vous êtes en forme. On est veille de match puisque demain Bordeaux reçoit Bastia, 32e journée de Ligue 2. Je vous salue à celles et ceux qui sont sur le chat. Claude Pes qui est sur Twitch, David Félix sur YouTube, Ange Delamar qui est à Brisbane. Salut Ange de Brisbane en Australie. Bienvenue à toi, ce qui me permet de saluer tous ceux qui nous regardent, qui sont euh, au Canada aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde au Canada, aux États-Unis aussi, et euh, ceux qui ne sont pas en métropole, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Salut Weinmalt, salut Polichinelle, salut Arnaud. Bienvenue, je salue aussi tous les sociaux euh, qui sont là et qui soutiennent la chaîne. Donc si vous le pouvez, devenez sociaux. Vous savez que WebGirondin est un média indépendant qui ne vit que grâce... À la publicité et au soutien de ses abonnés. Voilà. Ah, salut Enzo. Donc, n'hésitez pas à le devenir. Tiens, je vais vous mettre le lien là. Comme ça, c'est fait en, en début de vidéo. Vous pouvez tester. En plus, c'est 1 euro le premier mois. Voilà. Et ah, si ça vous plaît, vous pouvez rester. Voilà. Bon, le but, c'est que vous restiez hein, et vous avez plein d'avantages. Ah, Enzo qui est à Melbourne. Voilà. Deux, deux supporters des Girondins qui sont en Australie. Il doit faire chaud là-bas en Australie, non Salut Joël Gomez. Salut Sébastien. Allez, je vous mets le lien. Je, je rame un peu là pour vous mettre le lien, pour vous abonner. Voilà. Hop, je vous mets le lien ici, comme ça. Salut Donatien. Ah, il est là, Donatien, le tchèque. Et salut de Valenciennes aussi. Voilà, on fait un petit tour, un petit tour du globe de la France. C'est sympa belle communauté. Girondin. Salut Charles. Je mets lien Valenciennes au lieu de mettre lien pour devenir sociaux. Voilà. Je vais vous dire de ce dont on va parler dans cette émission. Alors, première partie, on va faire trois points. Vous savez, le midi 10, on est là pour euh, détailler, commenter et surtout vous dire de manière assez factuelle, même si je donne mes commentaires hein, souvent, euh, en moins d'une demi-heure, l'actualité des Girondins de Bordeaux. Premier point, on reviendra sur la conférence de presse d'Albert puisqu'il y a le match demain euh, entre euh, Bordeaux et Bastia. Deuxième point, on parlera de Weisbeck, qui en point presse a dit qu'il voulait rester à Bordeaux. Alors, moi, ça me surprend énormément, cette déclaration. Et, et on en parlera et troisième point on parlera allez, de la vidéo de Romain Molina qui a fait une synthèse un petit peu de, tout, euh, de toutes les infos hors coulisses et financières mais surtout qui pointe le, du doigt le rôle de la DNCG. voilà donc on parlera de ça sur les trois points de ce midi 10 et on va euh, commencer tout de suite salut Bertrand et on va commencer tout de suite avec euh, donc vous voyez le site s'affiche avec c'est le site, euh, site webgirondin.com en mode abonné, c'est-à-dire sans publicité ou presque, quasiment pas de publicité quand vous êtes abonné. Donc, on peut très, très bien lire ce qui est écrit sur le site, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Et donc, on va regarder la conférence de presse de Riera. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'Albert Riera s'est bien calmé, quand même, en conférence de presse depuis, euh, depuis 15 jours, 3 semaines. On voit qu'on a dû lui commencer à lui dire, bon, Albert, il faut te calmer parce que aujourd'hui... Euh, tout tes propos, ça nuit au club, hein, puisque tout le monde, ça donne encore plus de force à vos adversaires pour nous battre. Donc, euh, Et je peux vous dire que j'ai une discussion avec quelqu'un d'un club de Ligue 2, euh, qui travaille dans un club de Ligue 2, là, juste avant hein, l'émission, et je peux vous dire qu'il me l'a confirmé. Hein. Et il m'a dit, euh, nous, à chaque fois qu'on va jouer les Girondins, je reçois plein de SMS de la part euh, d'autres clubs de Ligue 2 qui nous disent, j'espère que vous allez les battre, quoi, parce qu'on euh, a renvoyé une image détestable. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas euh, une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc il s'est calmé, euh, Alberiera, dans ses déclarations. Et euh, je, on va regarder ensemble. Voilà, bon, elle n'était pas faux folle, la hein, conférence de presse, mais il y avait quand même des choses intéressantes qu'on va voir euh, tous ensemble. Je salue de Kenzo qui nous regarde de Poitiers. Salut, salut Eric. Salut Aruna. Salut Florent qui est là. Florent qui est un, un fidèle euh, et un suiveur de, des équipes de jeunes. Alors, qu de quoi il a parlé, Albert Lera dans cette conférence de presse Il a été interrogé, donc il répond aux questions des journalistes. Euh, pas de troisième mi-temps avec l'Aslande, puisqu'ils ont joué ensemble, hein. c'était 2003-2005, et donc une question lui a été posée euh, sur ses relations avec Lilian L'Aslande lorsqu'ils cohabitaient, lorsqu'ils étaient coéquipiers. Ils cohabitaient, pas, ils étaient coéquipiers. Euh, et donc Rera a dit bon, qu'il n'avait qu pas de relation particulière avec l'Aslande, qu'il n'avait pas gardé de contact, mais. Euh, c'était une époque où il se sentait très bien à Bordeaux. Et il se rappelle que devant, à cette époque, aux Girondins, je vous rappelle que Riera jouait au milieu de terrain, il avait plutôt un rôle d'animateur offensif, il y avait Darcheville pour exploiter les espaces, et Lilian Lasland, qui était euh, plus un joueur de surface, voilà un joueur de un buteur, plus euh, pour conclure les occasions dans la surface. voilà Et enfin, il a ajouté, interrogé dessus, qu'il n'a pas fait de troisième mi-temps avec Lilian Lasland. C'est vrai que Lilian Lasland, à euh, ce côté sud-ouest des troisième mi-temps, assez développé. Donc, euh, donc voilà, c'était assez sympa cet échange. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Lilian Lasland est l'entraîneur euh, du Sporting Bastia avec euh, Michel Moretti. Ils s'entraînent sont, sont, tous les deux. Euh, L'équipe bastiaise euh, depuis le départ de Régis Broire. Voilà, donc il sera sur le banc Bastier demain à Bordeaux, ce qui va lui faire bizarre à lui et aussi à nous, parce que c'est quand même un joueur emblématique des Girondins de Bordeaux, Lilian Lasland, champion de France 99 notamment. Et, euh, et voilà, donc c'est pour cette raison qu'on lui a posé la question. Et d'ailleurs, il était en conférence de presse avec euh, le Sporting. Bastia ce matin, la conférence de presse de Bastia devrait être disponible en début d'après-midi hein, pour ceux qui veulent la regarder on mettra bien sûr les extraits sur webgirondin.com Allez, euh, tiens Greg Lam, salut, il nous dit je vais vous afficher son message sur l'écran il nous dit, salut Nico, salut à tous, je regarde plus les confs j'arrive plus, je n'y arrive plus quand on sait euh, notre situation euh, je n'y arrive plus, voilà, je n'y arrive pas ouais, je comprends, il y en a qui regarde regardent plus les matchs aussi je comprends tout à fait. Euh, donc voilà, ça c'est le premier thème. Après, il a, il a parlé du match de camp. Quelques questions où il a dit que le match de camp leur a fait du bien parce que ça a permis de valider toutes les bonnes sensations qu'ils ont à l'entraînement. Puisqu'il le dit, il le répète match après match. Il y aura assez qu'à l'entraînement, ils ont des bonnes sensations et il leur fallait un match... Euh, il fallait que ces sensations soient validées par un résultat, parce que c'est quand même un sport professionnel, à un moment donné, il faut gagner des matchs. Et donc, il est content parce que c'est le cas, ça a validé leur bon travail. Il a aussi euh, dit que sa petite sortie sur euh, les joueurs qui n'ont pas envie de ballon, pas faim de ballon, qui ne demandent pas le ballon, serait en tribune. Il a aussi dit que ça, ça a fait son effet. Bon, on verra demain face à Bastia si c'est le cas. Il a parlé ensuite euh, des euh, supporters absents du parcage à Caen. Vous savez qu'il y avait une interdiction de déplacement, et on lui a demandé, euh, le journaliste lui a demandé si... Ça l'avait dérangé. Il a dit non, parce qu'il l'a appris le jour même qu'il n'y avait pas de supporters. Après, il a rajouté que quand il entend les, les, les supporters chanter pendant le match, c'est bien. Il a dit que même s'il n'était pas, pas là physiquement, l'équipe a joué pour eux. Voilà. L'équipe a joué pour eux. Et, et il a dit, on joue pour nous aussi. C'est vrai que les joueurs, au départ, ils jouent pour le club, pour ses supporters, mais ils jouent aussi pour eux. Salut Jérôme, m'appelle. Qui nous regarde depuis au après euh, il a abordé la question de la concurrence en attaque et son alternance entre livolant et euh, vipotnik et qu'est-ce qu'il a dit era c'est assez euh, intéressant il a dit mais, que c'est vrai que vipi est le seul attaquant central hein, joueur de surface de l'effectif mais qu'il qu'il fait euh, qu'il fait euh, des changements, qu'il ne fait pas jouer à chaque fois, euh, Zanvi Popnik, parce qu'il a besoin parfois d'un faux neuf, comme l'ivolant. C'est pour ça que Livolant a joué à Caen, parce qu'aussi ça correspond au profil de l'équipe que les Girondins vont affronter, au profil de l'adversaire. Et selon le profil de l'adversaire, si c'est un bloc bas, il va peut-être plus prendre un, un joueur de surface, mais si c'est une équipe qui joue, comme c'était le cas à Caen, mais il prend plus un joueur, euh, un joueur un, un numéro 9, un faux neuf, et il a dit euh, les faux neufs, c'est pas mal. Aussi, il a dit Je suis très content de l'ivolant Voilà. Donc, ça, c'était assez intéressant, cet échange-là, où il explique pourquoi il fait jouer l'un ou, ou plutôt l'autre. Après, une question lui a été posée sur l'extra-sportif, bien sûr, hein, on ne va pas revenir sur les problèmes financiers et, et tout le reste. Il vous, a, vous invite à regarder le Midi 10 d'hier. Regardez le Midi 10 d'hier. Donc, euh, on en a pas mal parlé, j'en ai pas mal parlé, puisque c'était l'actualité d'hier. Et donc sur l'extra sportif, on lui a demandé s'il discutait de ça avec ses joueurs. Si Albert Lira discutait de l'extra sportif avec ses joueurs. Il a dit bah, sur l'extra sportif, je ne sais rien. Qu'est-ce que je vais dire à, à mes joueurs si je ne sais rien? Euh, et en plus, je ne veux rien savoir, cela ne me concerne pas. Si vous voulez en savoir plus, demandez au président, donc à Gérard Lopez. Et il a dit Ma couleur préférée, c'est le vert, le rectangle vert. Euh, il dit Si moi j'en sais rien, je pense que les joueurs euh, en savent encore moins. Voilà. Pour ce qui est de, de l'impact sur, sur le vestiaire, après, même s'ils n'en parlent pas entre eux, ça peut avoir une répercussion, hein. c'est sûr, hein. en termes d'ambiance de, de travail. Il euh, faudrait savoir si ça a une répercussion. On aura un élément de réponse demain. Après, est-ce que face à quand on a vu des joueurs beaucoup plus investis, beaucoup plus euh, dynamiques, est-ce que finalement... Euh, cette situation n'a pas poussé les joueurs à se dire bon, maintenant, on, on nous paye très très bien au-dessus de notre valeur un marché on a des salaires bien au-dessus de notre valeur marché. Il va falloir qu'on gagne des matchs pour aider le club, peut-être aussi. Donc euh, il faut rapidement atteindre ce maintien. Et ce maintien, ça passe par une victoire face à Bastia demain. Et donc, on verra si demain les joueurs ont pris conscience de ça. Bordeaux-Bastia, c'est le 12e face au 16e. Au 15e, je crois, ou au 16e. Donc, euh, c'est un match important. Donc, voilà pour l'extra sportif. Et enfin, une question lui a été posée sur la Ligue des Champions, l'exemple des matchs de Ligue des Champions. Est-ce qu'il s'en servait On lui a demandé, euh, les journalistes lui ont demandé euh, s'ils regardaient ces matchs et comment ils s'en servaient. Il a dit chacun a ses joueurs et ses caractéristiques. Chacun doit se concentrer sur soi. Quand tu vois la Ligue des Champions et, et les bonnes choses qui sont réalisées, il faut essayer de faire le jeu le plus joli possible de tous les sports. Donc il a dit, c'est comme le football est le sport le plus joli au monde, il faut qu'il soit le plus beau à regarder. Et il a dit, c'est la responsabilité de l'entraîneur, qu'on fasse en sorte que ce jeu soit le plus joli à regarder. Et il dit, euh, voir une équipe qui attend, c'est contre mes convictions. Donc il est reparti sur sa philosophie. Et il a dit, sur les quatre matchs qu'il avait eu mardi et mercredi, euh, à part... Euh, L'Atlético Madrid, qui est plutôt une équipe attentiste et qui joue en contre, euh, il a dit quand tu vois les matchs de Ligue des Champions, bah, presque toutes les équipes veulent jouer, à l'exception de l'Atlético Madrid. Il dit normalement, c'est l'équipe qui propose le plus de jeux qui gagne. Et c'est pour ça que lui, il prône le fait de faire du jeu, parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on peut gagner des matchs. Voilà, c'est sa philosophie. Et c'est euh, ce qu'il aime mettre en place et développer avec ses équipes. Voilà, donc il ne manque jamais, Albert l'occasion de rappeler sa philosophie de jeu. Il est souvent critiqué pour ça, hein. mais euh, surtout quand ça ne marche pas, quand il n'a pas de résultats. Mais c'est vrai que si tu arrives à avoir des résultats en pratiquant un, un jeu attrayant, ben là, c'est bingo hein, pour l'entraîneur. C'est bingo. Salut la Côte-Christophe. Je crois que c'est un supporter de Saint-Étienne qui est là. Salut. Donc voilà pour ce qu'il y a à retenir de la conf de riera Ce n'est pas exceptionnel. Voilà ce qu'on peut en retenir. Vous avez l'article complet, si vous voulez le lire en détail, sur WebGironda. Là, je vais vous le mettre. Je vous mets dans le chat. C'est le lien numéro 1. Le lien 1. Voilà. Comme ça, c'est l'article derrière. Je le fais en direct. Lien 1. Hop. Voilà. Et je rappelle d'ailleurs, pour tous les abonnés et sociaux, qu'on fait un futsal. J'ai oublié de le rappeler en début d'émission. On fait un futsal. Deuxième édition du futsal cette saison. On en a fait un il y a, il y a quelques semaines. Et on fait un futsal le 27. Et on est déjà assez nombreux pour organiser les vêtements. Donc on est plus d'une dizaine. Donc on fait comme la fois précédente pour le match Rodez-Bordeaux. Futsal 17h-18h. 19h-21h, on regarde le match ensemble. On boit, on se désaltère et on mange. On grignote. Et euh, en 21h, débrief à chaud depuis le lieu où nous réalisons. Euh cet événement. Voilà, donc si vous êtes abonné, si vous êtes sociaux Tipeee depuis le site, bien regardez, vous avez reçu les informations pour y participer. Il est encore temps de vous inscrire. Allez, on passe au deuxième thème de ce midi-dit c'est l'interview de Gaëtan Weisbeck qui a dit Je n'ai pas envie de partir des Girondins sur un échec. Et il a dit clairement, on va aborder que ce point-là, parce que le reste, je trouve que c'est... Bon, vous irez lire, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, ce qu'il dit sur son avenir. Je vous rappelle que Gaëtan Vasebeek, Vasebeek, pardon, est prêté cette saison par Sochaux avec une option d'achat obligatoire en cas de montée. Vraisemblablement, nous ne montrons pas. Et l'option d'achat, elle a une valeur de 1,4 million d'euros. Voilà. Et donc interrogé sur son avenir, voici ce qu'a déclaré Gaëtan Weisbeck. Pour le moment, je suis concentré sur la fin de la saison avec l'équipe. Bien sûr, mon souhait est de rester ici. Je ne veux pas partir sur un échec, car nous sommes loin de nos objectifs. Donc, ma priorité est de rester au club. Très surpris de cette déclaration. Quand on sait la difficulté dans laquelle était, il était et. Euh et, et les difficultés euh, du vestiaire, euh, d'intégration aussi, euh, l'environnement du club. Qu'il déclare ça, moi, ça me surprend. Euh, D'autant que Bordeaux, euh, je pense, ne sera pas en capacité de débourser le montant de l'option d'achat ou le montant pour son transfert. Donc, euh, je suis très surpris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis très surpris. Ça me surprend parce que je ne pensais pas qu'il souhaitait rester. C'est pour ça que ça me surprend. Et. Euh, Deuxièmement, on connaît la situation financière du club et je crois pas qu'aujourd'hui, je, je n'en sais rien, hein, c'est une supposition, je ne crois pas qu'aujourd'hui Bordeaux sont en capacité, alors peut-être qu'ils peuvent négocier euh, l'indemnité à la baisse, hein, mais en, en capacité de, de payer 1,4 million d'euros. Alors peut-être pour au moins, euh, pourquoi pas. Mais déjà, Bordeaux n'arrive pas à assurer son train de vie. Donc euh, pff, là, vraiment, euh, je comprends pas. Et d'ailleurs, on avait eu le, les salaires des joueurs. Est-ce que Gaëtan Weisbeck faisait partie des joueurs du top 10 rémunération des joueurs Est-ce que vous vous en rappelez de ça Est-ce que vous le savez Eh bien, regardez, la magie du direct. Je vais afficher le top 10 des rémunérations. 60 000 euros bruts par mois. C'est peut-être pour ça qu'il veut rester. Non, c'est trop. Il, il, il... Bordeaux ne pourra pas garder des joueurs avec ces salaires-là, ou alors euh, on a un mécène qui va financer à perte les gens en Inde Bordeaux, mais c'est pas le cas donc euh, très surpris. Mais bon, quant à ce niveau de rémunération, c'est euh, bien entendu, tu as envie de continuer. Voilà, moi je pense que c'est de la communication, Aruna, je suis bien d'accord avec toi, je, je pense que c'est de la communication. Voilà, exactement. Son entourage se plaît peut-être à Bordeaux, nous dit Piano Tutoriel. C'est possible, c'est possible, et on le comprend. Hein. La région est plutôt agréable à vivre. Et c'est vrai, Claude. Tu as raison, Claude Pess, de dire, tu auras tout à fait raison que Sochaux ne pourra pas assumer son salaire et personne ne lui, lui offrira autant vu les prestations. Exactement. Donc c'est peut-être une façon aussi. Euh, de se mettre sur, alors il répond à une question. C'est pas lui qui va chercher ce thème de discussion, mais euh, ouais, c'est une façon euh, peut-être de mettre la pression au club, de montrer euh, qu'il veut rester. Peut-être que ça suscite aussi les convoitises d'autres clubs. Mais c'est vrai qu'il a une rémunération très très élevée, 60 000 euros par mois brut selon l'équipe. C'est énorme, c'est énorme. C'est deux fois plus euh, que la rémunération euh, normale. C'est exactement ça, Claude. Bien vu. Voilà, Arnaud dit ses calculateurs. Voilà, bon, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent des bons matchs avec les Girondins de Bordeaux, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Et souvent, la trêve du mois de mars-avril, c'est là où les agents, euh, les joueurs se posent des questions sur leur avenir et c'est normal puisque le mercato ouvre trois mois après, au mois de juin. Donc, euh, donc voilà, donc on va arriver maintenant dans cette période de mercato et ça, il sera intéressant, un, d'observer euh, les déclarations des joueurs, deux, leur attitude sur le terrain. pour Voir ce qu'il donne, et oui, Loïc, c'est énorme comme rémunération. Il dit c'est énorme pour un joueur de Ligue 2. Mais oui, mais c'est le problème de Bordeaux. Bordeaux n'a plus, plus d'argent parce que regardez les rémunérations, je les réaffiche, c'est incroyable, incroyable. 80 000 euros mensuels brut pour Ignatenko, c'est fou, fou. Même toutes les autres, hein, le top 10. Euh, normalement, le top 10, normalement David Ashvili, si la rémunération de David Ashvili qui est dixième, devrait être notre plus haute rémunération en termes de salaire. Tu ne devrais pas démarrer à plus de 30 000, c'est pas possible. Surtout quand tu vois, euh, quand tu fais le rapport statut salarial, performance sportive, alors là, tu plonges. Hein. Donc voilà pour Weisbeck. Est-ce que vous aimeriez qu'il reste sur le chat Dites-moi. Est-ce que vous aimeriez que Gaëtan Weisbeck reste aux Girondins de Bordeaux l'année prochaine Peu importe le salaire, on ne parle plus de salaire. Salut Noël. Tiens, Aruna qui dit Pierre-Lesmélou et Danilo Ignatenko ont le même salaire. Cherchez l'erreur. Florent Busseau qui nous dit qu'il connaît très, très bien la formation Bordelais. Salut Florent, tu nous dis, ils ont fait pareil pour les jeunes, ils ont surpayé pour les faire venir, sinon ils ne seraient pas là. Oui. Après, quand tu, quand tu es obligé de vendre de la rémunération, c'est que ton projet, euh, soit tu vends de la rémunération, soit tu vends un projet. Alors quand tu vends les deux, c'est l'idéal. Si tu vends une bonne rémunération avec un super projet, c'est chouette. Mais quand tu vends que de la rémunération, c'est peut-être que tu n'as pas autre chose à vendre que de la rémunération. C'est-à-dire que tu n'as pas un projet euh, clair, défini et vertueux à vendre aux joueurs. Donc tu tapes dans la rémunération pour les faire venir. Parce que ce que tu leur vends en termes de projet euh, et d'organisation, ça ne les fait peut-être pas rêver. Donc euh, dans ce cas-là, euh, c'est un signe de faiblesse de montrer, euh, moi je trouve, euh, une rémunération, surtout quand tu n'as pas les moyens de l'assumer. Bon, pour l'instant, ils l'assument, hein, mais c'est difficile. Que tu l'assumes difficilement, mais bon, il y aura un déficit à la fin de saison. Donc bon. Allez, on continue ce midi 10, 23 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez liké là sur le... Alors je parle pour ceux qui sont sur YouTube. Alors sur Facebook, vous pouvez aussi liker, mais d'ailleurs si vous êtes sur Facebook, je vous invite à venir sur YouTube. Ou sur Twitch, mais plus sur YouTube. Est-ce qu'il y, a... est qu y a du like Parce que bon, on est combien là sur, sur Facebook Sur euh, YouTube On est 135. Donc. 135, il pourrait y avoir 100 likes les copains. Et il y en a. J'en ai 6. <laughs> c'est pas possible qu'il n'y en ait que 6. 41, non, c'est pas possible. Ah, 51, on est monté à 51. C'est bien, allez, on continue. Il reste 5 minutes pour atteindre les 100. Allez, on parle, dernier MIDI 10. Et je vous remercie d'ailleurs de regarder les MIDI 10 et d'être aussi nombreux à les regarder. C'est vraiment sympa. Moi, je passe un très bon moment à le faire. J'espère que vous aussi. Et donc, la dernière information, c'était Romain Molina, journaliste auteur et youtubeur, qui fait des vidéos d'actualité. Bon, on ne le présente plus, qui a fait de vidéos hier et qui a dit des choses intéressantes. Alors, il fait beaucoup. Euh, il a beaucoup repris les informations qui sont sorties dans les médias. Et, euh, et il a mis le point sur une chose qui est assez intéressante, je, je trouve, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les autres médias. Euh, c'est euh, alors déjà, euh, il a parlé euh, euh, bon, de la situation euh, économique, de ce qui se passe euh, à la formation, etc. Et euh, il a parlé, je trouve ça intéressant déjà de l'offre de rachat, je le cite du très vocal et médiatique Santiago Cucci, qui a fait un passage éphémère et désastreux à l'Olympique lyonnais, parce qu'il voulait s'occuper des, trans des transferts et du sportif, alors que ce n'était pas son boulot. Ça a posé problème en interne, et c'est la principale raison pour laquelle il a été écarté. Voilà, c'est quand même bon à rappeler aussi euh, ce qui s'est passé euh, pour un, un prétendant euh, au rachat des Girondins dans un autre club. Voilà. Donc, et là, il parlait de Santiago Pucci. Et il a aussi ajouté qu'il y avait des, des potentiels racheteurs des investisseurs qui s'intéressaient à Bordeaux et qu'attendaient euh, de récupérer le club au plus bas. Voilà. Donc, euh, ce qui n'est pas bon pour nous, les supporters. <laughs> Repartir au plus bas, ce n'est jamais intéressant quand tu aimes le football, même si tu aimes les Girondins. Voilà. Voilà. Claude Pes qui nous dit, Gucci fait partie des mecs qui ont goûté au milieu du foot et il veut y retourner coûte que coûte. Et oui, et il s'intéresse à des projets de rachat, notamment saint étienne et même en Suisse. Euh, mon petit doigt me dit, même en Suisse, sur un club suisse. Ils s'y sont intéressés. Voilà, donc euh, je vous le dis, euh, je ne vous donne pas le club, mais un, il s'intéresse aussi à un club en Suisse. Merci Christophe qui nous souhaite bon courage de la part d'un supporter des Verts. Voilà, mais surtout, moi ce que je retiens... Euh, dans cette vidéo de Romain Moyenna, c'est euh, qu'il dit Jamais les Girondins ont eu un problème financier à un tel niveau. Ça pose une question majeure. Comment la DNCG a-t-elle pu valider sans sanction le passage hivernal des Girondins je rappelle quand même que euh, la DNCG avait encadré la masse salariale et des indemnités de mutation au mois de janvier. Bordeaux ne pouvait pas recruter. Et ce qui veut sans doute dire, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de sanction plus importante de la part de la DNCG? Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui a été vendu à la DNCG et, et au projet de la DNCG et au projet euh, et le projet qui a été vendu à la DNCG, c'est l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. C'est ça qui a été vendu à la DNCG. Au mois de janvier, et on est au mois d'avril, et il n'y en a toujours pas. Et ils avaient dit qu'il y avait des discussions, le, quand je dis ils, c'est le club, avaient dit qu'il y avait des discussions avec différents actionnaires minoritaires, etc. etc. ça discutait, et c'est sur cette base-là que la DNCG, et sur la, la promesse de vente de joueurs, que la DNCG a décidé euh, de n'encadrer seulement Bordeaux des indemnités de mutation. Mais la DNCG aurait très bien pu rétrograder, euh, si, euh, à titre conservatoire, les Girondins en fin de saison. Hein notre gradation administrative, ça aurait été possible. Et c'est vrai qu'on peut se demander euh, on peut se demander quel est le rôle de cette DNCG, finalement, euh, qui, sur, euh, sur des promesses, euh, a, euh, des promesses et peut-être des... Comment dire Des preuves. Peut-être que le club lui a apporté des preuves de ça. Euh, mais ce n'était pas quelque chose de sûr à valider, le passage bordelais. Parce qu'admettons, je fais une, une théorie, imaginez... Euh, que euh, la DNCG ait rétrogradé Bordeaux à titre conservatoire à la fin de la saison, si pas de solution. Euh, administrativement, c'est possible hein, au mois de janvier de faire ça. Et bien, ça aurait peut-être poussé l'actionnaire actuel et peut-être des repreneurs à s'intéresser plus fortement au projet bordelais et à trouver une solution pour permettre aux Girondins de Bordeaux de continuer à vivre et euh, à vivre, hein, puisque là, on n'est même plus sur du développement, on est sur de la survie, euh, à vivre euh, cette fin de Ligue 2, euh, peut-être euh, plus calmement ou pas, mais surtout trouver des solutions pour le mois de juin et repartir ensuite. Là, on est un peu... Euh, on a toutes ces informations qui nous arrivent sur les difficultés financières du club qui touchent le quotidien, et euh, on, euh, on est vraiment dans... Euh, on est vraiment dans, comment dire, dans, dans le flou. Voilà. Et par contre, attention, hein, en juin, il faut une solution. Donc avril, mai, juin. Dans deux mois. C'est un peu juste. Hein C'est un peu juste, hein, deux mois. La DNCG a sûrement fermé les yeux sur la situation pour ne pas effrayer les investisseurs potentiels, nous dit Claude. Si jamais ils existent. Possible. 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 Ils ont pensé que le club était de bonne foi. Thomas nous dit, je rappelle que Lopez est milliardaire, il va le remettre au pot. Ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi il ne fait pas réparer la pompe d'arrosage des terrains d'entraînement Une question que je pose. Pourquoi, dans ce cas-là, dégrader le quotidien du club s'il va remettre au pot Moi, Je ne comprends pas. Pourquoi dégrader les conditions de travail si euh, il a l'intention de remettre au pot dans un, deux, trois, deux, dans deux mois, puisqu'il n'y a plus que deux mois de délai Je vous rappelle qu'en avril 2021, quand le club euh, a été placé sous la protection du tribunal de commerce pour trouver un repreneur, puisque King Street a décidé de se désengager, et euh, c'est le président Frédéric Longuepé qui a, qui a qui avait fait cette, cette, cette demande de protection. Et c'était fin avril. Hein. Donc on y arrive. Hein. Après, tu n'as plus le temps d'avoir un repreneur. Après, tu n'as plus le temps. Donc euh, les 15 prochains quinze jours, trois semaines seront décisifs pour Bordeaux. Moi, j'entends hein, qu'il qu est milliardaire, mais dans ce cas-là, pourquoi tu dégrades le quotidien du club? Arrose les terrains, les joueurs ont besoin, de <laughs> ont besoin de conditions de travail avec des terrains plutôt, euh, plutôt meubles et, et une surface euh, qui convienne à un club professionnel. C'est basique, hein. mais voilà. Dans ce cas-là, pourquoi il ne le fait pas Si vous avez la réponse, je suis preneur. Il faut voir si c'est vrai l'arrosage. Mais bien sûr que c'est vrai, Loïc. Tu crois que ça serait sorti Il euh... faut savoir que les médias, quand ils, ils sortent euh, des choses fausses, un média, ça s'expose à des poursuites. Hein. Bien sûr que c'est vrai. Ça doit coûter un bras, mais Thomas. Mais tu me dis qu'il est milliardaire, Thomas. Pourquoi il ne le fait pas alors Milliardaire et par une pompe d'arrosage. Ça doit être un gros bon système, mais pourquoi il ne le fait pas C'est quand, même... si le... quand même le, le quotidien. Pourquoi, euh, dans ce cas-là, euh, comme a dit Sud-Ouestière, il y a des éducateurs et des, des, des membres du médical qui sont plus payés tout le mois de février Pourquoi si tu dois ce qu'il a dit, c'est pas moi. Hein. Pourquoi il ne le, les paie pas Pourquoi il ne met pas l'argent alors pour, pas les payer, pour, pour les payer S'il si est milliardaire, pourquoi il ne le fait pas ben Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi il ne le fait pas. C'est simple. Hein Donc arrêtez. Donc euh, ça veut. Fait... Voilà. Bon, je suis en train de m'énerver. <laughs> Allez, voilà, donc euh, lance une cagnotte en ligne, Agnès. Tu as raison, Agnès. Socio, salut, Agnès, bienvenue à toi. Salut, Gérard, qui est là. Bon, voilà, les amis, c'était les, les trois informations que je voulais, euh, je voulais détailler avec vous. Ah, du coup, je vois que je n'ai pas affiché le, le bon article de, de Romain Molina. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez vu, vous irez, le, vous irez le lire, vous irez voir la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, donc euh, c'était tout. Hein. 32 minutes, pop, pop, pop. Voilà, j'ai dépassé. On est parti sur, des, sur un terrain glissant et j'ai dépassé les, les 30 minutes que je m'étais fixé. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. On est vendredi, un bon vendredi. Si vous n'êtes pas sur Bordeaux, sachez que c'est gros ciel bleu, gros beau temps. Il va faire chaud demain à 19h. Ils annoncent 28 sur sur l'agglomération bordelaise. Force à vous. On est toujours derrière l'équipe. On les encourage, on est supporters des Girondins de Bordeaux. Merci de vous du soutien. On se quitte avec le générique des sociaux. On se retrouve en direct demain pour le débrief à chaud à 21h avec peut-être un duplex depuis le stade. Et euh, David Guzman et euh, les autres supporters pour réagir à ce match en espérant une victoire. J'ai pronostiqué un 3-0, je crois. Lundi, je le maintiens. Allez, Bordeaux.